Qu'est-ce qui se passe? Ah, Ok. bon bah voilà comment on tue un wither Voilà. en 7 secondes. Voilà. Précédemment dans Little Worlds. Et nous revoilà rapidement dans l'End, suite à la dernière vidéo, à savoir l'usine Enderman. J'ai fini la décoration, j'ai pas totalement fini, hein, j'ai quand même déjà avancé une partie du moins. Donc vous voyez cette salle, la salle d'arrivée de l'End. Quelque chose à savoir et à faire attention, je le savais mais je me suis quand même fait avoir. Il y a un emplacement de 5x5, donc à savoir la dalle d'obsidienne multipliée par 4 de hauteur, qui est régénérée à chaque fois que vous venez dans l'End, à savoir que à chaque fois c'est re-rempli d'air. Donc il suffit que vous ayez mis la décoration ou des blocs dedans, cette zone est régénérée et les blocs sont cassés. Moi je pensais, enfin il me semblait que c'était que de 2 de hauteur. Ah non, c'est 3, pardon. J'ai dit 4 de hauteur, c'est 3 de hauteur, pardon. Il me semblait que c'était que de 2 et du coup j'avais mis du verre au-dessus et bref, je me suis fait avoir. Du coup, on a surélevé, vous voyez, tout plafond est à 2 de hauteur sauf à cet endroit-là où c'est à 3 parce que de toute manière on peut pas mettre plus bas. Donc voilà le pourquoi du comment. Et je ne sais pas si vous le saviez, maintenant c'est chose faite. Donc la décoration est faite à ce niveau-là, on a un chemin qui est à la fois praticable en wagon, en minecart et également à pied. Et puis, c'est quelque chose d'assez simple, mais au moins on a un peu plus d'espace qu'avant et on peut se croiser sans trop de problèmes, quoi, même si on pouvait le faire avant quand même. C'est plus sympa comme ça. L'usine, il y a eu quelques mini-modifications à ce niveau-là, il n'y avait pas ces sortes d'arches, ils n'y étaient pas précédemment. J'ai fait, comme j'avais précisé, le petit mode rapide, mode lent. En gros, quand je fais ça, ça désactive la plateforme mouvante qui est tout en haut, ce qui fait que les Enderman tombent beaucoup moins vite, ils tombent uniquement sur les packs de pression, donc le spawn est réduit. Mais vous voyez que ça spawn quand même... pas mal du tout, donc voilà, ça évite les lags, hein. dans cette configuration là, ça évite énormément les lags, pardon. Ne pas toucher, bon. Donc voilà, j'ai tourné quelques petites séquences rapidement quand j'ai construit ce tunnel là, donc je vais vous montrer cette petite séquence, puis après on passera à autre chose. Alors je vous fais une petite séquence assez rapide, c'est juste pour vous montrer une petite astuce, j'imagine qu'il y en a la plupart de vous qui connaissent, mais pas forcément tout le monde. Alors c'est au niveau des mécaniques de l'eau, parce que là je suis en train de faire le design du chemin qui mène jusqu'à l'usine à Enderman. Et au niveau de la mécanique de l'eau, si vous placez de l'eau avec du vide ou un gouffre assez grand sur les côtés, vous allez voir que l'eau va s'écouler directement vers le vide le plus proche possible en ligne droite ou en diagonale. Alors moi ce qui m'intéresse, c'est que l'eau s'étale. Parce qu'après, le problème de ce principe-là, c'est que vous n'allez pas pouvoir faire des sources infinies. Même si vous mettez des blocs d'eau à côté, ça va faire des choses assez bizarres et ça ne va pas vous faire des blocs d'eau infinie. Ou du moins, ça va être un petit peu compliqué. Donc le plus simple, c'est de tout recouvrir de terre sur les côtés. Et vous allez voir que... Non, évidemment, ça ne va pas marcher comme ça. Parce que j'ai pas fait de chaque côté. Du coup l'eau va pas pouvoir trouver un endroit où s'écouler le plus rapidement possible, ce qui fait qu'elle va s'écouler de chaque côté de la même distance, vous allez voir tout de suite. Et voilà, du coup, en mettant ces petites bordures, ça va me permettre d'avoir toute la surface qui est couverte et pas seulement une ligne, ce qui est beaucoup plus simple pour faire des sources d'eau après. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça, une petite astuce, je pense que ça peut servir à certaines personnes.
Alors, je suis en train de placer l'eau justement, et bon, c'est vraiment encore plus surprenant que je pensais, les mécaniques de l'eau. J'ai même pas besoin de mettre les deux côtés de terre, vous allez voir, ça va créer une source infinie assez facilement si je mets chaque côté, et là au milieu j'ai une source infinie. Alors, par contre, si jamais, on va faire un exemple assez simple, j'ai pas ces petits rebords de terre, je positionne. Ça, vous voyez, ça va faire des choses assez bizarres. Ça ici et ça là. Donc là, je vais bien avoir une source infinie qui va être créée. Par contre, après, si je veux la récupérer, et eh ben voilà ce que ça fait. Si je veux la récupérer, ça me refait pas une source infinie, en fait, ça casse le bloc. C'est vraiment très bizarre comme comportement. C'est précisément pour ça que faut faire ce genre de petits rebords en terre ou enfin, peu importe le bloc, hein, évidemment, mais voilà. Et là, du coup, dès que je fais ça, dès qu'il y a au moins, je pensais qu'il fallait les deux côtés, mais il suffit d'un seul côté. Et là, dès que je prends, voilà, c'est bon, ça se reforme. Donc voilà pourquoi je me suis embêté à faire ces petits rebords de terre. Et voilà, ça marche pour beaucoup de choses. Donc faites attention à ça quand vous construisez. Quand vous construisez. Donc là, on voit qu'il y a un bloc qui est pas rempli. Ce qui en soi est embêtant. C'est si je mets les rondins, les morceaux de terre comme ça, est-ce que ça va me le remplir? Ouais, c'est assez bizarre. Ouais, ça fait n'importe quoi. Ça fait juste n'importe quoi. Puis là j'ai des courants qui sont mis n'importe comment. Oups. Ouais. Enfin bref. Oui, c'est bien un joli bordel. Bon, je pense que finalement il va falloir que je fasse des deux côtés les petits rebords de terre. Vous voyez? Donc bon bah je vous montrerai ce que ça va donner plus tard, dès que j'arrive à résoudre toutes ces anomalies au niveau de l'eau. Mais c'est jamais simple à faire, à mettre en œuvre. Ça c'est clair, c'est jamais simple. Donc vous voyez ici j'ai fait des deux côtés pour l'eau, les deux petits rebords en terre et ça marche bien effectivement. Donc il faut effectivement les rebords des deux côtés. Ouais, ça me servira de leçon. Moi bon, ici j'ai déjà enlevé, mais il y avait les rebords avant au moment où j'ai placé l'eau. Oui, une fois que c'est enlevé, après il n'y a pas de problème, l'eau est disposée comme il faut. Donc bah, je vais finir tout ça et puis bah, je vous montre pas le résultat parce que ça n'a pas l'intérêt particulier, mais au moins vous voyez que pour placer l'eau avec du vide hein, sur les rebords ou quand on a une plateforme qui est en l'air, faut penser à mettre ces petits rebords de blocs pour que l'eau se s'étale correctement. J'ai dû faire la même chose pour faire les plateformes que vous voyez ici. J'ai dû avant mettre de la terre partout autour, remplir d'eau et ensuite enlever toutes les plateformes de terre que j'avais mis autour. J'ai fait la même chose. Donc voilà pour la petite astuce du jour. Alors, nous sommes en train de faire l'usine à mobs du serveur. On avait déjà fait une ancienne usine à mobs il y a assez longtemps. C'était un ancêtre de la Xmob. Donc avec le même principe des plateformes en glace et de l'eau qui pousse les mobs. Et là avec Seb que vous voyez œuvrer en bas, on est en train de Oui, construire. Salut. salut. On est en train de construire donc un. On est en train de construire la Xmob, donc le nouveau modèle. À quelques détails près, à savoir que la Xmob a un petit défaut qui peut être vite fait embêtant, c'est que elle fonctionne avec des dispensers pour larguer l'eau. Et le problème, c'est que si on décharge ou on charge les chunks au mauvais moment, les courants d'eau avec les dispensers peuvent être inversés. Du coup, faut tout resetuper l'usine et ça, c'est pas intéressant. Ce qui fait qu'on l'a modifié un tout petit peu. On a, à la place de mettre des dispensers, on a mis des pistons qui vont libérer l'eau. Donc, vous voyez, on voit des blocs au chaque coin des plateformes. Derrière ces blocs, il y a de l'eau et ces blocs sont bougés par des pistons. Donc à cause de ça, on perd quelques surfaces prenables. On avait fait le calcul, c'est quand même assez considérable. Mais bon, après, 400 ou 200 blocs. ouais, un truc comme ça, ouais, sur les 4 C'est étages pas qu'on a fait. grave. Rajoute des étages. Ouais, mais voilà, exactement. Après, il suffit de rajouter des étages et le problème est réglé. Donc après, on a dû modifier un petit peu 2-3 systèmes parce que
parce que voilà, ça impliquait d'autres détails, parce que comme la taille n'était pas identique à celle d'une XMob classique, il y a eu 2-3 trucs à changer, mais au final ça se fait bien. Puis on vous montrera le travail fini et la production surtout, parce que je pense que ça va quand même bien produire, même si c'est un peu moins, il y a un peu moins de surface spawnable que dans une XMob classique. Donc on se reprend plus tard pour une autre séquence. Bon, ça produit tout doucement, mais c'est normal parce qu'il n'y a pas encore grand-chose qui est éclairé. On a notre petit golem en bas qui est là pour réceptionner les choses. Et donc voilà ce qu'on a. Donc ça fait pas très longtemps qu'elle est installée, l'usine. Mais bon, ça va, ça produit correctement. Bon, le fait est que c'est pas du tout. Enfin, si, y a quelques galeries qu'on a éclairées, mais il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de l'éclairage. Et on voit que déjà ça produit pas mal et encore il manque des étages, on va rajouter 2 étages à l'usine. Donc voilà pour la nouvelle usine du serveur, donc au moins elle est bien et fonctionnelle, quasiment. Et donc grâce à ça, on va avoir plein de poudre d'os et on va pouvoir continuer l'usine à arbres qui a été commencée. Donc je vais y aller tout de suite, je vais vous montrer ce qui a été fait. Alors me voilà du côté de l'usine à arbres. Donc pour l'instant, il y a juste la structure en redstone qui a été faite. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Je ne sais pas. Enfin bon, bref. C'est Sébastien donc, qui a fait ça, qui s'est occupé de ça, qui l'a designé. Bah c'est tout le système est de lui, donc c'est vraiment pas mal. Bon évidemment ça ressemble beaucoup aux autres usines à arbres parce qu'il n'y a pas 36 000 façons de le faire. Mais le design est de lui et c'est vraiment, vraiment pas mal quoi ce qu'il a fait. C'est pas mal optimisé, je pense pas qu'on puisse faire beaucoup plus compact que ça. Alors, bon, le principe est simple, c'est que. Bon, j'ai pas de poudre d'os pour vous illustrer, mais on va faire grandir, grâce à la poudre d'os, cet arbre ici, qui va grandir jusqu'à une hauteur définie, qui va être bloquée par la terre ici présente, hein, ou peu importe quel bloc. Au moment où l'arbre grandit, le bloc ici devient solide parce qu'il est remplacé par une bûche. Et du coup, le courant va traverser le bloc et va se retrouver dans cet ascenseur qui va alimenter tous nos pistons. Donc c'est un simple double extender qui va pousser le tronc jusque-là. Et donc on va pouvoir, dès que le tronc est poussé, on va pouvoir continuer de pilonner avec de la poudre d'os. Jusqu'à ce que l'arbre grandisse et ainsi de suite, ça va aller très rapidement jusqu'à 12. Donc, normalement, si on compte, il doit y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, parce qu'il y a un bloc que je n'ai pas compté. Donc, jusqu'à 12, donc la capacité maximale que peuvent pousser les pistons. Et dès qu'on arrive à 12, donc à savoir que tout ça c'est une rangée de bois, on va arriver sur cette torche. Donc la torche qui est là va alimenter le bloc de bois qui sera arrivé jusqu'ici, qui va alimenter ce bloc, qui va alimenter tout ce petit ascenseur et qui va pousser ces pistons d'un cran finalement. Et dès que les pistons sont poussés d'un cran, les bûches de bois vont arriver ici. Et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va avoir une ligne de 4 qui va arriver ici, la ligne de 4 sera poussée. Et au final, on va avoir un gros tas de bûches qui va sortir de cet emplacement, qui a été commencé un petit peu à décorer. Et on va pouvoir prendre notre hache et puis récolter le bois de manière assez simple. Donc voilà pour le principe de l'usine à bois. Un problème sur cette usine, non pas le fonctionnement, non pas l'efficacité, mais le bois que l'on utilise le plus sur serveur, c'est le Dark Oak, que vous voyez ici. C'est celui-là aussi. Donc le Dark Oak, c'est un bois qui, à l'instar des arbres de la jungle, pousse avec un tronc de 4. On peut le voir là-bas, c'est des gros troncs. Et là, ça complique énormément de choses. Pourquoi ça complique énormément de choses? Parce que, comme le tronc est de 4, il y a deux choses d'une. Si on veut faire une usine hein, de 4, avec une usine avec 4 de base, c'est beaucoup plus dur qu'une usine avec 1 de base. À savoir que, d'une part, il faudrait que le courant passe à travers 2 blocs. Donc on va faire le même principe que ça. On peut pas alimenter le bloc, ça passera pas à travers parce qu'il y a 2 blocs. Donc le principe assez simple là, de contourner ce problème, c'est d'utiliser un bait switch. Donc jusqu'à là, ça va, c'est pas très compliqué, il y a moyen de le faire.
Ensuite, il nous faut un quadruple extender pour pousser. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi un quadruple extender? Tout simplement parce que si on veut pouvoir replanter le tronc, enfin les 4 pouces d'arbre, parce qu'il faut 4 pouces d'arbre pour les Dark Oak, il va falloir 4 d'espace. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir le tronc qui est déplacé juste d'un bloc. Il faut qu'il soit déplacé de 2 blocs. Et pour qu'il soit déplacé de 2 blocs, il faut pas 2 ni 3, mais 4 pistons l'un après l'autre qui va pousser de un quadruple extender. Et là, c'est très compliqué à faire. Enfin, c'est pas si compliqué que ça à faire parce que maintenant on a les slime blocks qui sont arrivés. Donc faire une rangée de quadruple extender, c'est pas très compliqué. Là où ça devient beaucoup plus compliqué, c'est de les empiler, de faire 2 colonnes de chaque côté. Et en plus, ça peut être source de lag. Donc on a fait des tests en créative avec Sébastien et avec Wither. Tiens, on va voir les villageois. Et il s'avère que c'est très compliqué et je pense que c'est pas non plus l'utilité, pas non plus d'une grande utilité vu la complexité de l'affaire. Donc on a laissé tomber ça de côté pour l'instant, hein. C'est pas dit qu'on s'y remettra pas un jour ou l'autre. Hein. Mais pour l'instant, on va se contenter de cette usine à bois qui va être une usine à bois simple, donc pour les troncs uniques, les troncs de 1 d'épaisseur. Et puis je pense qu'on fera une autre sorte de plateforme où on fera pousser nos troncs de 4 d'épaisseur. Je vais réfléchir à ça, peut-être que je ferai ça tout à l'heure. Et peut-être avec quelques systèmes en redstone, s'il y a moyen de faire, on va réfléchir. Donc voilà pour l'usine à arbres qui commençait à devenir un petit peu nécessaire sur le serveur parce que mine de rien le bois c'est une ressource pas forcément renouvelable contrairement à d'autres choses grâce aux usines. Et ben voilà, on va enfin pouvoir avoir une ressource un peu plus renouvelable même si elle n'est pas totalement, ça va être un peu plus simple. Donc voilà pour ça, puis on se reprend pour une autre. C'est moi ou le zombie a despawné comme ça d'un coup? Ouais, peu importe. Donc voilà, donc on se retrouve plus tard pour une autre séquence. Je pense que je vais essayer de travailler justement sur cette plateforme un petit peu optimisée pour les arbres 4x4. Donc peut-être pas arbre de la jungle parce que ça devra faire un petit peu haut. Mais les arbres, les Dark Oak, ça peut être intéressant à travailler là-dessus. Bon, et ben à plus. Et nous revoilà en créative pour un mini design au niveau de. L'optimisation des arbres des Dark Oak, la manière dont les récolter le plus rapidement possible. Bon, c'était assez difficile à. J'ai essayé pas mal de choses avec des pistons et tout, mais c'est jamais très probant parce que ça implique toujours des triple ou quadruple extender et bon, c'est pas très intéressant. Donc j'ai décidé d'opter pour la chose la plus simple possible, à savoir. Simplement faire pousser les arbres et les bûcher à la main, en sachant que c'est des gros troncs, ça reste assez aisé, j'ai envie de dire. Le seul problème, c'est que ces arbres sont très hauts, du coup c'est plus facile de les miner, enfin de les miner, de les bûcher en partant du haut. Donc j'ai fait cette espèce de plateforme là. Après, il suffit d'aller grâce à un petit launcher comme ça, d'aller sur le haut, et puis après c'est parti, on mine tout. Ouais, on pas de la manière dont je l'ai fait évidemment, mais on mine tout jusqu'en bas et puis une fois en bas, on peut remonter avec un autre launcher et c'est très rapide et très, bah ça c'est quand même beaucoup plus rapide que de devoir construire des échafaudages de bouse ou quoi que ce soit ou devoir creuser à l'intérieur de l'arbre. C'est quand même assez rapide d'utiliser ce petit truc. Donc voilà comment ça se passe. Je ferai peut-être à l'avenir un système pour récolter avec enfin via des hoppers ou ce genre de choses. Je pense pas que ce soit vraiment nécessaire parce que je veux dire on met pas non plus très très longtemps à casser les arbres et les bûches, on les récupère directement. Sachant que le taux de despawn est de 5 minutes, on n'a pas le temps, enfin les bûches n'ont pas vraiment le temps de despawner quoi. On les récupère directement. Bon évidemment, faut pas faire. La boutique comme moi et prendre le truc sur le côté, sinon ça ne marche pas. Mais ça, c'est juste évident. Donc voilà pour cette petite plateforme. Je pense qu'on la construira telle quelle sur le serveur parce que c'est assez simple et enfin c'est même très simple et c'est suffisant. Voilà,
ça va permettre quand même d'optimiser, d'augmenter un petit peu la rapidité de récolte de ces arbres-là. Donc, puis après, il suffit de les replanter, hein, ça va repousser avec de la poudre d'eau assez rapidement. Bon, là, j'ai augmenté la game rule, on a un petit speed, donc évidemment, ça pousse très très vite. C'était juste pour faire despawner les feuilles, ça. Enfin, peu importe. Donc voilà, pour ça, je pense que ça va terminer la vidéo. Ce genre de choses sera construite, enfin cette plateforme sera construite assez rapidement sur le serveur parce qu'on va en avoir besoin pour faire la décoration de l'usine à arbres déjà, enfin de l'usine à arbres au tronc simple, donc celle que je vous ai présentée juste avant. Et également de cette. Je dirais pas que c'est une usine, hein, ça c'est pas non plus une usine, ça n'a pas la prétention d'être une usine, mais ça va nous simplifier un petit peu la tâche. Quant à la récolte de ce genre d'arbres. Et comme c'est un petit peu ce qu'on utilise le plus comme bois, ça va vraiment être pratique. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié un petit peu cette vidéo. Ça change un petit peu encore de ce que je faisais avant. C'est moins de découverte, c'est un peu plus de construction pas à pas. Mais bon, les épisodes sont tous différents, donc il y en aura pour tout le monde. Bon allez, à plus, et puis bye bye pour une prochaine vidéo.